Yann, ça va? Dirigé, je dirais pas façonné, mais grâce à tous les habitants et à toute l'équipe que vous avez autour de vous, pour célébrer cette équipe du Mont-Liban, qui est une équipe authentique. Vous savez, monsieur Jacob, nous avons remis cette fourchette d'or à d'illustres prédécesseurs français. Je pense à monsieur Michel Guérin auprès d'Eugénie. Je pense à monsieur à Tours, il y a aussi monsieur, comment s'appelle-t-il, monsieur Jean Bardet. À Lyon, en son temps, à monsieur Loiseau également. Et dans les restaurants libanais, nous avons aussi au pavillon Noura, aux familles Noura, qui est une très célèbre, la famille Abou Antoun. Je vous remercie, j'en ai parlé tout à l'heure. Madame Condémine, qui représente Monsieur Oliver, qui est en conseil municipal ce soir. Merci Madame, élue du 2e arrondissement, d'être parmi nous ce soir. Je remercie aussi Monsieur le député, Julien Laferrière, où est-il? Monsieur Julien Laferrière, voilà, d'être parmi nous. Je ne connais pas toutes les personnalités, tous les présidents, chambres de commerce, etc. Des Halles aussi, j'en ai aperçu, le président des Halles tout à l'heure. Tous les présidents qui sont là. Venez Monsieur le député nous voir. Merci beaucoup, je pensais pas avoir l'honneur de commencer. Écoutez, moi je suis vraiment très heureux d'être ici pour plein de raisons. D'abord parce que c'est d'abord un plaisir de pouvoir se retrouver à nouveau autour de table, parce qu'on a tellement souffert de cette crise sanitaire qui, nous l'espérons, se termine. Effectivement, retrouver les moments conviviaux, il y a des visages que je n'ai pas vus depuis plus d'un an, que je retrouve ce soir ici, et c'est évidemment un plaisir. Un plaisir surtout, bien sûr, de féliciter monsieur Jacob, parce que ce restaurant, le Mont Liban, nous le connaissons toutes et tous depuis longtemps. Nous y avons eu certains nos habitudes, d'autres nous sommes au moins passés une ou deux fois. Il se trouve qu'il n'est pas très loin de ma permanence, et donc je suis coupable de ne pas venir assez souvent. C'est en tout cas une belle récompense, cette fourchette d'or. Monsieur le Président, je sais que vous avez dû avoir avec le jury, évidemment, à délibérer longuement avant de l'attribuer à ce restaurant qui, quand nous venons manger, apprécier cette cuisine libanaise si riche, si impressionnante, avec ses saveurs incroyables, ben nous pensons toujours, nous avons toujours une petite pensée pour ce pays auquel la France est attachée. Donc encore une fois, bravo à vous, monsieur Jacob, pour cette belle récompense. Merci, monsieur le Président, d'avoir choisi ce si beau restaurant pour attribuer cette fourchette d'or. Merci à toutes et tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Donc quelques mots pour vous dire combien Pierre Oliver, le jeune maire d'arrondissement, parce qu'il a, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais il est extrêmement jeune et dynamique. Et il aime beaucoup aller dans tous les nouveaux lieux de son arrondissement, donc il aurait adoré être là. Mais c'est très, très difficile d'être partout, donc je suis très heureuse de le... Je suis très heureuse de vous présenter. Je suis élue sur le 2e arrondissement. J'habite à quelques centaines de mètres d'ici, vers la place de la République. Donc je vais pouvoir revenir très facilement. C'est une cuisine que j'adore, juste un petit clin d'œil personnel, que j'ai découvert la cuisine libanaise dans les années 80. J'étais expatriée, j'habitais à Dubaï. Et mes meilleurs amis étaient libanaises. Il y avait une grosse communauté libanaise à Dubaï à l'époque. Donc voilà, donc c'est en plus de ça un petit coup de cœur, un petit crush comme on dit maintenant pour la cuisine. En plus de ça, vous en avez fait, l'établissement est juste sublime quoi. Moi je connaissais le Mont Liban d'autrefois, mais là vraiment c'est juste magnifique. Donc encore merci et vraiment bravo pour cette inauguration, bravo pour cette récompense. Merci aussi pour cette récompense qui symbolise le tourisme retrouvé. C'est le tourisme à Lyon, c'est vraiment... Ça reprend bien. Ouais, ça reprend bien. Ça a été un peu ralenti. On espère que ça va continuer. En tout cas, nous, on est là pour continuer à embellir cette ville et à souhaiter que les touristes continuent de venir et de consommer aussi dans tous nos beaux établissements en règle générale. Voilà, merci. Monsieur le ministre, si vous voulez bien nous rejoindre. Quelques mots simplement. D'abord, merci Monsieur le Président pour les mots aimables que vous avez eus pour le développement de la ville. Vous avez dit que depuis 20 ans, elle a beaucoup changé. Et comme j'avais été élu juste il y a 20 ans, je vous remercie donc de vos mots. Je veux remercier Monsieur et Madame Jacob pour leur invitation.
dire qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis là ce soir. Je suis encore conseiller municipal d'opposition maintenant. J'aurais tout connu, l'opposition d'abord, la majorité, l'opposition ensuite, le ministère, enfin, ça donne des expériences diverses. Mais donc nous avons porté depuis 8h30 ce matin une parole pour défendre la gastronomie. Nous pensons que la cuisine végane, c'est bien, mais qu'il peut y avoir d'autres gastronomies que la cuisine végane. Enfin, je suis heureux de retrouver un ami, Hubert-Julien Laferrière, et moi je vous remercie d'être à Lyon, et puis toujours avec une pensée d'amitié pour le peuple libanais. Merci à vous. En vertu des pouvoirs qui sont conférés par la commission d'admission qui... Ben, délibéré de vous remettre ce soir cette fourchette d'or. Je vous fais ce soir fourchette d'or de la haute gastronomie libanaise. Félicitations. Merci à vous tous d'être venus. Ça me fait énormément plaisir de vous voir tous dans ce lieu magnifique, grâce au talent des architectes, de notre architecte Bastien, qui a rendu ce lieu beau, un beau lieu. Bravo monsieur. Et au savoir-faire de CRC Lyon aussi, hein, qui sont... Bravo, hein. Bravo, bravo. Ils sont super et des pros. Et puis notre cher ami Daniel Buguet aussi qui a contribué aussi à la déco. J'ai acheté ce restaurant il y a 3 ans. Il était bien sûr pas comme ça. Et surtout notre nourriture qui va super bien avec ce cadre et qui mérite quand même ce cadre. Et un énorme plaisir, un énorme merci à mon équipe, au staff qui sont là depuis l'ouverture, enfin depuis... Depuis l'aventure, le commencement de l'aventure, il y en a certains que ça fait 3 ans qu'ils sont avec moi, qui me supportent toujours. Et je vous souhaite une bonne soirée et j'espère de vous revoir et qu'on vous régale bien ce soir. Bravo. Voilà. Alors c'est pas tout à fait terminé parce que on a décidé de réserver une petite surprise à vos employés. Vous voyez, il y a une fourchette d'or derrière, le diplôme qui correspond pour expliquer ce que c'est que la fourchette d'or, mais camouflé derrière la fourchette d'or, vous avez une petite surprise pour l'ensemble des employés. Parce que vous l'avez dit, c'est une équipe. Et vous voyez, à vous tous, chers amis, vous allez faire une photo avec. On applaudit Monsieur le maire qui tient ses promesses du deuxième arrondissement, Monsieur Oliver. Voilà. Et on applaudit encore plus fort l'équipe du Bon Liban parce qu'ils nous régalent fantastiquement.